Sassou Nguesso, c'est un criminel, c'est un voleur, c'est un bandit, il ne mérite pas le respect. Nous devons bien le dire haut et fort. Aujourd'hui, M. Macron est avec son ministre des Affaires criminelles, M. Le Truand. Pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, pour M. Okondi Saïssa et bien d'autres prisonniers politiques. Nous sommes là pour manifester, pour dire non à ce monsieur qui est venu sur la France, qui est venu suer l'Élysée. Parce que ce monsieur, ben, à travers M. Sassou, nous savons bien que non par des crimes économiques, mais par aussi des crimes de sang qu'il a tant connu au cours des années. Oui, en parlant de M. Sassou Nguesso, mais c'est tous ces crimes-là, les génocides dans la région de Poule, les morts à Ikomono. Rappelons-le bien qu'il avait bombardé Ikomono, la traque de M. Pierre Onga. N'oublions pas aussi qu'il a empoisonné pas mal le nombre de nos compatriotes. Hein, l'empoisonnement de M. Katali, M. Oxon Sikonga et bien nombre d'autres que nous connaissons. N'oublions pas aussi qu'Ibou Alangaya, il avait assassiné. N'oublions pas aussi qu'il avait enterré vivant le cardinal Émile Leïna. Le président Massa Mandéba, jusqu'à présent, on ne sait même pas là où il a été enterré. Rappelons tous ces morts-là. Ces photos. Peuple congolais, n'oublions pas notre histoire, l'histoire de notre pays. Sassou Nguesso, c'est un criminel, c'est un voleur, c'est un bandit, il ne mérite pas le respect, nous devons bien le dire haut et fort. Aujourd'hui, ce qu'on a placé cet Augustin, message Nabisson, il y a un mot de Zolo. Sassou, attends, qu'est-ce qu'on a fait? N'oublions pas, Bakambo m'a payé à ça, il est en train de continuer encore. Que je voulais livrer. Merci, chers compatriotes. Merci. Et aujourd'hui, pris en otage par un dictateur, par un sanguinaire. Alors, à partir de ce moment, nous sommes là, justement, pour dire non à ce type de pratique et dire aussi à la France que un homme qui a passé 40 ans au pouvoir, il y a l'usure, il ne peut plus rien apporter. Il y a des générations qui arrivent et il faut plutôt observer ces générations. Le président Macron...